Hey, salut tout le monde et bienvenue pour un tout nouvel épisode sur GPS4 avec l'Arabie Saoudite. On continue du coup notre épisode. Bon, après qu'on ait révélé du coup que l'intelligence artificielle est d'une stupidité absolue sur le jeu, encore une fois, ça n'a pas changé. Mais en tout cas, l'inflation diminue. Moi je suis content, c'est mon inflation qui diminue. On est bien, on est content, on est heureux. Ça serait bien que... C'est bon, il faudrait terminer cette guerre. Yémen, stop. S'il vous plaît, laissez le Yémen tranquille maintenant. C'est bon, le pauvre, c'est un bordel. Ils ont perdu beaucoup de choses. Ce serait bien que eux, ils se révèlent un peu et qu'ils se lancent un petit peu et qu'ils aillent attaquer. Alors... Je t'aime bien, États-Unis, mais si tu peux partir, ça serait sympa. Vu que tu ne fais plus rien. Ça serait sympa que tu partes. Putain, j'ai 3000 tanks ici. C'est quoi ça? C'est République démocratique du Congo. Bon, ok. Démission du président, oui, il n'y a pas de souci. Enfin, du roi, il n'y a pas de souci, c'est normal. Il faut penser au peuple. Évidemment, le peuple, rien que le peuple, et pour le peuple. Vive le peuple. L'OPEP, oui. C'est bon, est-ce que je pourrais avoir un excédent pour que je puisse ainsi développer ma politique. Mais les pauvres, ils sont en train d'abattre tout ce qui reste du Yémen. Baisse encourageante du chômage. Ah bah oui, évidemment, notre économie va bien. Ah ouais, par contre, la croissance qui revient à des taux ultra élevés, ça me fait un peu chier. Surtout par rapport à mon contexte d'inflation. Où est-ce qu'il... Ah, ils vont dans cette base. Bon. Ok. Quoi? Stain, mais c'est insupportable ce jeu. C'est insupportable. Eh mais ça donne envie d'exploser hein, ce jeu. Et la prochaine fois, j'appelle pas l'ONU, je le ferai tout seul, ma guerre. Parce que le jeu est stupide. Donc j'ai envie de leur dire, laissons les choses faire comme il se doit. Oh, la balance commerciale est positive sur les services. Voilà, ça c'est bien. La balance commerciale ici va être repositive parce que on a nos importations qui ne bougent plus. Et nos importations qui bougent plus et nos exportations qui montent. Du coup, c'est bien. Est-ce qu'on produit de plus en plus de batteries? J'ai l'impression qu'on produit de plus en plus vite des batteries. Oula, par contre, carbone nanofibre, ça va aller vite. Hein. Mais j'ai l'impression que la production en part aussi, elle augmente ici. C'est quand que je reçois ma dette, enfin mon excédent, le 1er 07, donc en juillet. Ça arrive. Le mois de juillet arrive. Y a pas de souci, ça arrive. On va faire un petit coucou. Enlèvement. À qui le dis-tu? J'ai une pote qui m'a envoyé ça, je sais pas pourquoi. Qui le dis-tu? Je me rappelle même plus de ce que je lui ai écrit. Mais du coup, à qui le dis-tu? Que le jeu est buggé? Oui. Ça, oui. Ça, je certifie. Non, mais c'est bon, ils ont plus de soldats, là. Vous pouvez pas les laisser?
Par contre, la croissance de la population, elle est énorme. Population sous le seuil de pauvreté, ok. Taux de migration net, ok. Juste, je veux voir le taux de migration net, du coup. Flux migratoire. Oh! Ah ouais! Mais j'attire tout le monde! Ah, j'ai une grosse population active! Ça, c'est bien! Ah oui, je suis la 8e puissance militaire! Ah, d'accord! Plus puissant que l'Iran. Bon, après, avec tout ce qu'on a commandé, je suis même plus puissant que le Royaume-Uni. What the fuck? Bonjour, je veux juste baisser un petit peu mon inflation. Si vous me le permettez, je veux baisser mon inflation. D'ailleurs, ce qui est plutôt pas mal et ce que je trouve cool, c'est qu'on a vraiment une amélioration. On voit que j'ai une appréciation de ma monnaie. Donc la monnaie, elle s'apprécie. Ça, c'est plutôt sympa de voir ça. Moi, j'aime bien voir l'appréciation des monnaies, etc. C'est toujours positif. Du coup, moi, je suis très content de voir ça. Tiens, on va augmenter un peu ça. Trésorerie en excès et accumulation. Wouh! C'est bon. On a de la trésorerie. Il avait écrit 46 milliards, on est à 90 milliards. Le jeu, please. Please. Game, you're stupid. GPS 4. GPS 4. You're stupid. You're stupid. Endeavor Sim. You're hey. In the game. It's shit. It's shit. C'est de la merde. Yes. Il faudrait améliorer tout ça. Nos sportifs. Oui. Bon, très bien. Je peux enfin construire mes logements insalubres. Ah, enfin. On peut enfin investir. La compétition va commencer dans une semaine. Tous nos athlètes sont au top de leur forme. Allez, ça serait La bien qu'on lutte sera ramène sévère, mais il... toutes les médailles possibles. Parce qu'on investit massivement en plus dans le sport. J'ai augmenté le nombre un peu de profs. Hop. Faudrait un peu plus de profs. La police, on est good. Ah oui, du coup. Ah ben non, mais j'ai plus rien dans le transport. Et oui, j'ai plus de main-d'œuvre. Donc ça sert à rien. Mais je voudrais relier cette ville à Altaïf. Du coup, parce qu'on a fait notre ligne TGV ici. Non, il faudrait le faire là. Il faudrait aussi faire jusqu'au nord. Donc relier jusqu'à Aradar, ça serait sympa. Voici donc. Taux de chômage en baisse. On est à combien? 5,42. Ça va, c'est bien. Ça baisse. Et en plus, on va devenir une puissance économique majeure. Et la balance commerciale qui, en fait, elle tend à augmenter, elle monte pas, elle monte pas. En fait, elle a un peu du mal à se trouver, mais ça va. Bon, les importations augmentent aussi, hein, c'est surtout au niveau de l'agriculture. Regardez, la balance commerciale au niveau de l'agriculture est catastrophique. Mais au niveau de l'industrie, c'est bien. Et au niveau des services aussi, ça commence à monter. Et ça, c'est positif. Le décret entre en... C'est qui est monté au pouvoir? Ah, il est un peu moins pour moi, lui. Bon, au pire, c'est pas très grave. Par contre, mec, t'as un gros problème au niveau du chômage. Hein. Ce serait intéressant que tu le règles, hein, ton problème de chômage. Ah, eux, vu qu'ils ont plus les sanctions, ils sont à 7% de croissance. Ok. Je voudrais trop avoir votre niveau d'inflation, hein, les mecs. Trop, je voudrais trop avoir votre niveau d'inflation. Koweït, coucou. J'aime défavorable en Mauritanie. Oh, le Nigeria, ça c'est super intéressant. Nigeria, bonjour.
Je sais que... on peut être amis. Oups. Mais... voilà. Oula, il y a une grève au Tchad. C'est le Tchad, ça? Ouais. Et salut! Salut Niger! Oh putain, le Cameroun! Salut Cameroun! Nigeria, salut, comment vas-tu? Ah, c'est catastrophique, hein, ça. Bon, c'est quand que vous abandonnez République démocratique du Congo? Parce que vous n'arrivez même pas à prendre la capitale, du coup, ça sert à rien. Vous êtes nuls à chier. You are so so bad. Oh mais ils me font chier à me demander ça. De toute façon t'en produis pas assez, moi aussi, donc ça sert à rien que tu me proposes. Est-ce qu'on a une alliance? Non, mais on va pouvoir le faire, notre alliance. Voilà. Oui. Ok. Oui, c'est... très bien. Très amusant, venant. Ouais, ça va, moi je fais des efforts. Tiens, tu vas le dire à Algérie. Oui, c'est... comment ça, c'est trop compliqué pour toi. Algérie, c'est plus puissant? Ah ouais, c'est quand même plus puissant que Koweït. En plus, t'es un tout petit état. Oh, 227 milliards, pardon, combien Algérie? Ah, parce qu'en fait, le jeu, il se base par rapport au PIB. Si vous avez un plus grand PIB, c'est plus complexe. Mais ça va, en vrai, tu peux le faire. T'as la balance commerciale qui a du mal à monter, mais qui hésite, en fait. Belle performance, 13e. C'est super. On s'améliore. Allez, hop. On rénove les logements. Grande pauvreté à un niveau acceptable. Soutien. Excellent ça. Devenons des alliés. Cameroun, coucou. Comment allez-vous, Cameroun? Je suis là pour vous aider, Cameroun. Je suis là pour faire aussi des relations. Bonjour Cameroun. Voulez-vous être un pacte de non-agression? Oui. Please, I want pacte non-agression. Ok, on accepte. Ok, Nigérien, on sera vert clair, c'est déjà pas mal. En plus, Nigeria, ils sont en combien de PIB? Ah, très, très gros PIB. Énorme PIB. Contrat refusé. Bon, je vais pas forcer avec Nigeria, c'est déjà pas mal. Bon, c'est bon, République démocratique du Congo, tu peux abandonner ton conflit avec le Yémen. Il te reste combien de... Il te reste quasi plus de militaires. Contrat accepté. Merci Cameroun. Oh, mais en plus, Cameroun, t'as des problèmes de grippe. Ça, c'est triste. Soyons des alliés, Cameroun. Ça va être bien, Cameroun. Soyons des amis. Nous sportifs. Parfait. Notre politique africaine prend sa marge. Mais j'ai pas des accords de libre-échange avec l'Union Européenne, moi? Si, j'ai un contrat. J'ai aussi un contrat avec les États-Unis. Ah, ça c'est pas mal. Favorable en Estonie. Ah ouais, je suis devenu blanc. Oh, par contre,
contre, la France, oui, on est passé de super à pas content. Ah ouais, ça peut à ce point modifier nos relations internationales. Bon, le Cameroun, on s'aime beaucoup. Ah ouais, je m'attendais pas à un gros revirement de situation. Gauche. Bonjour la gauche. Pareil que vous aimez bien... Pareil que vous êtes sympa avec moi. Oh, le Maroc. Alors, désolé, mais Maroc, c'est le plus important. Stop. J'arrive pas à toucher. C'est chiant. Mais putain, c'est casse-couille. Voilà. Ça se voit que j'ai du mal. Ça se voit que j'ai du mal à fond. Inflation qui remonte. Combien de croissance? 8,40. Ok. Bon, ça va en vrai. Ça va en vrai, ça va. Oh, matériel électrique qui va dépasser carburant, ça c'est pas mal. Hop. Mais attendez, mais on va atteindre quel niveau de croissance? Enfin, on va atteindre un niveau de croissance énorme. Du coup, ma puissance économique, je suis la 9e puissance économique au monde, j'ai dépassé la France, j'ai à bientôt dépassé le Brésil. Putain, c'est super, hein. Je m'attendais pas à autant. Contrat accepté. Bonjour Maroc. Alors je sais qu'on s'aimait pas trop. Bon, Cameroun, on se kiffe à fond. Hein. Ça c'est super. Kenya, on s'aime pas du tout. Ça c'est un petit problème. Alors après on a le Mali. Mais le Mali plus tard. Hop. Bon, c'est bon, Yémen. Oh, mais République démocratique du Congo, ça suffit, laissez-les. Putain, j'ai toujours les États-Unis sur mon sol, ça j'aime pas. J'aime pas avoir les États-Unis sur mon sol. Contrat accepté. Oula, nomination du nouveau chef des armées, il faut que je regarde s'il m'aime ou il m'aime pas. Est-ce qu'il me kiffe? Ouais, ça va, il m'aime bien, donc c'est bien. Formula. Plus important. Jour du dépassement, prix culturel. Ah oui, parce que l'autre, il est mort. Ah zut, triste. Notre troupe nationale. Ah, super. Ça, c'est bien pour l'importance dans le monde. Contrat accepté, parfait. Par contre, c'est quand que la croissance mondiale va se calmer? Parce que là, élection législative, bon, je vais pas me mentir, ça sera toujours la même. Du coup, les relations, on s'aime beaucoup avec le Maroc, du coup, ça c'est bien. Ah bah, notre parti va être à 100%, de toute façon, il n'y a pas le choix. Ah, contrat refusé, bon, tant pis, c'est pas très grave. Au Guatemala. Plutôt content, c'est que, en fait, c'est bien, les relations internationales, ils changent vis-à-vis des partis politiques. Par contre, la Chine, ça va être chaud. Ah, par contre, ouais, on a une petite remontée des... la pollution. Deuxième! Ça, c'est très bien. Allez, on essaie de diminuer un peu le logement. Ah, j'ai pas investi... Ah mais non, mais parce que je peux pas investir plus. Ça, c'est dommage. Population. Ouais, je peux pas investir plus là-dessus. Ça aurait été bien, mais non, je peux pas. Au niveau du bonheur national brut, normalement, on est le plus élevé. Ouais, richesse du pays,
par rapport au début de partie, mais c'est pas possible. Au début de partie, le pays, il était encore plus bas que maintenant. Du coup, c'est pas possible. Comment ça, sécurité, ça baisse? Une réaugmentation de la... Non, c'est... Ah si, il y a une petite augmentation. Oh. Il me faudrait plus de personnes qui travaillent dans le BTP. Je crois que je vais subventionner le BTP encore. Mais plus tard, plus tard. Pour le moment, non, mais plus tard, ça pourrait être intéressant. Parce que là, j'ai besoin de main d'œuvre. Déjà, pour relier jusqu'à Jeddah, ça serait sympa. J'ai pas assez. Nous avons bien... C'est toujours pareil, hein. J'ai jamais assez. 8,78. Est-ce qu'il me reste des contrats internationaux dans l'énergie? Ok. Dans l'industrie? Dans l'agriculture? Dans l'énergie, je suis dit, si j'en ai qu'un. Ok. Nous avons pu remonter à l'origine de l'attaque. C'est une organisation mafieuse. États-Unis, ok. On s'en fiche un peu des États-Unis, hein, je vais pas mentir. Puis c'est notre allié, du coup je vais pas les attaquer pour ça. En plus, c'est une organisation mafieuse, donc. Rien à foutre. Pas mentir. En tout cas, au niveau des... C'est bon, là, on a beaucoup de personnes pour s'occuper On a beaucoup d'enseignants, pardon. Juste augmenter le nombre de personnel médical. Je vais le foutre à 100, à 100 000. Voilà, hop. Ça, on augmente. On augmente le personnel de santé. Les obsèques. Ah oui, c'est vrai que j'achète du bauxite. Oh, la balance commerciale qui va vite, vite, vite monter. Stop. Oh oui, la balance commerciale qui monte. Ah, ça, ça fait du bien. En fait, les importations augmentent, mais c'est surtout les exportations qui montent plus vite. Ça, c'est très, 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 très bien. Ça, c'est une très bonne nouvelle. On va juste attendre les élections législatives et ensuite, on va s'arrêter... cet épisode, évidemment. On va voir l'état de... taux de participation, 84%. Bon, il y a toujours la République démocratique du Congo. Mais ils vont bientôt se retirer, en fait. Nirvana. Ah mais en fait, ah mais oui, parce que je suis un parti unique, du coup on s'en fout. Oh! Bonne nouvelle. Ok, ça donne quoi au niveau de la dette? Parfait. Bon, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là pour cet épisode. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée. Ah, le second tour. Je vous laisse quand même là. On se retrouve la fois prochaine pour un tout nouvel épisode. Salut à tous. Oops.